Salut tout le monde, c'est Dragodonna. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Holy Cube. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Épisode 6 où on va continuer un petit peu la base aquatique. Donc comme je vous avais expliqué, ma base va être séparée en 4 domaines à partir de ces 4 tuyaux. Et du coup, ce tuyau-là va mener à un nouveau domaine. Ce sera le domaine aquatique. Donc j'hésitais entre ici et je sais plus trop où, je crois que c'est là-bas pour faire le monde aquatique. Mais j'ai opté pour ici, c'est mieux, je trouve. Du coup, va falloir tout terraformer, va falloir tout remplir avec du sable, parce que, bien évidemment, on ne voit pas les choses en petit ici. On va faire comme ici, on va mettre du sable tout partout dans le sol, donc va falloir aller farmer du sable. Oula, oula, décolle, décolle, merci. Farmer du sable, j'ai commencé, enfin j'ai fait le tuyau d'ailleurs, tout le long. Donc le tuyau passe dans la montagne ici et... est prolongé jusqu'à la maison de Coca. Donc bien évidemment je lui ai demandé avant de faire le tuyau savoir s'il était d'accord, parce qu'à savoir que ce tuyau là ne sera pas inondé vu que je peux pas tout simplement. Donc je lui ai demandé avant savoir si ça le dérangeait. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait ça, ça relie nos deux bases, c'est sympa et tout. Et du coup on va tout terraformer ici, on va tout inonder et je vous propose de faire ça en time lapse. En sachant, petite information, que j'ai déjà terraformé en fait de mon côté et j'ai déjà mis l'eau. Parce qu'en fait, la map que vous voyez là, c'est un ancien backup. Donc c'est une ancienne version de la map. À chaque fois que je lance ce serveur, en fait, je fais un backup au cas où si ça crash. Et du coup, en fait, la dernière session où j'ai joué, bah, c'est déjà tout rempli en fait. Donc, bref, voilà, en gros, c'est un ancien backup. Ça me fait pas chier et puis voilà. Donc, petit timelapse, et à savoir aussi que... Alors, attendez. Ici, là, il y a un petit spawner tout en bas à zombies. Et que, par là-bas, en dessous là, il y a un spawner à araignées. Donc, pourquoi pas potentiellement relier le tuyau après pour faire un escalier qui mène au spawner ou... Voilà, je sais pas. On verra bien. Dans tous les cas, petit timelapse, et je vous dis à tout de suite. We'll be right back.
Bon, on va s'attaquer à ces petits fonds marins. Donc pour les fonds marins, on a besoin de béton bleu. C'est pas nécessaire d'avoir du bleu comme ça, mais enfin béton bleu ou béton bleu clair comme ça, mais j'ai préféré faire du bleu foncé. Vous qui voyez, voilà. Du vert teinté en violet parce que le violet c'est ce qui rend le mieux sous l'eau. Hop, on va reprendre un peu de respiration. Des lanternes marines pour éclairer, de la diorite ou alors de l'andésite, comme vous voulez. Moi, je préfère de la diorite parce que c'est blanc et ça se verra mieux. Et des pastèques. Donc, je reprends exactement le même schéma, enfin pas schéma, mais le même pattern que Aurélien Sama sur ses vidéos. Donc, je vais vous montrer pour ceux qui sont intéressés. Donc, dans un premier temps, vous pouvez tout simplement faire des petits trous dans le sol pour y mettre des petites lanternes un petit peu partout avant de commencer le vif du sujet. Pour vous rendre compte après ce que ça rend au-dessus. Bien évidemment, il faut faire ça à l'intérieur et pas à l'extérieur comme je viens de le faire là. Sinon, on verrait un bloc de 6 lanternes dépasser, ce sera moche. Hop, donc vous faites ça un petit peu partout. Voilà, je vous donne juste un exemple. Hein. Vous ferez ça vous de votre côté après. Et ensuite, vous venez faire un petit... Bim, un petit truc comme ça, tout simplement. Ça fait un peu comme des méduses en fait. Parce que les méduses c'est transparent et c'est un petit peu lumineux. Donc ça ressemble un peu à des méduses en plus, c'est un petit peu rond. Faut imaginer que c'est rond, voilà. Donc ça c'est la première étape, donc on va faire ça tout partout. Hop, je refais un petit deuxième histoire de vous montrer. Après vous pouvez remplir comme ça, vous qui voyez. Est-ce que ça change un truc? Ouais, il vaut mieux remplir. Hop, on va récupérer avec Silk Touch par contre. Il vaut mieux remplir parce que ça éclaire plus. Voilà. Vous faites ça tout partout. Donc vous faites 1, 2 et puis après vous faites tout le tour comme ça. Classique. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez de temps en temps faire des petits piliers de 2 ou de même de 1 bloc avec ces petits blocs de béton. Vraiment à quelques endroits, hein, pas beaucoup. Ça représentera un petit peu des algues fixes. Tout simplement. Voilà, donc ça vous n'hésitez pas. Hein. Pilier de 2 ou de 3 éventuellement, mais pas plus. Pas plus. Ensuite, hop, on reprend de la respiration. Et pourquoi je ne bois pas les potions? Parce que pour faire ce biome marin, je vais être accompagné de Coca, qui est AFK pour le moment, mais qui va revenir après. Et du coup, je vous montre à vous et ce sera surtout aussi pour lui montrer à lui. Comme ça, il aura le modèle et après on attaquera avec les potions. Pour rester indéfiniment sous l'eau. En sachant qu'on a un petit stock de shulker ici. Hop. Où on a de quoi faire, hein, vraiment. Voilà. Donc ensuite, pour les petites pastèques. Les pastèques, ça représentera les algues. Donc les algues, là, ça y va plus en mode YOLO, hein, clairement. Il n'y a pas de schéma à suivre. Évitez de faire tout pareil. Voilà, genre un truc qui part comme ça, éventuellement. Voire même un petit peu trop haut. J'ai pas ma hache, c'est dommage, j'aurais pu miner la pastèque légèrement plus vite. Donc voilà, vous faites un petit peu des algues comme si c'était en mouvement en fait. Hop, voilà. Là, on va le faire revenir comme ça. On va récupérer de l'oxygène. D'accord, il y a eu un bug. Voilà, un petit peu comme ça. Évite. N'hésitez pas aussi à arrondir un petit peu les angles de temps en temps. Voilà. Quoique. Est-ce que ça c'est réellement nécessaire, le renfoncement comme ça? Non, c'est moche. Allez, mine. Hop là. Voilà, comme ça c'est bien. Après, vous pouvez très bien en faire juste une petite comme ça. Éventuellement juste un petit de deux. De deux comme ça. Enfin, vous qui voyez ce qui rend le mieux. Voilà. Et ensuite, par-dessus, vous venez y mettre une petite lanterne. Pas forcément tout partout, mais sur les branches, en fait. Les branches que vous avez faites. Voilà. Vous venez mettre une petite petite lanterne. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur toutes les branches que vous faites. Vous pourrez très bien laisser comme ça. Par contre, je vais prendre des dégâts là. Voilà. Vous qui voyez. Et ensuite... quoique, non, pas sur les cactus, la scie lanterne, excusez-moi, j'ai dit des bêtises.
Les cactus, on va les laisser sans silanterne, justement. Hop. C'est sur les algues avec la diorite. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous refaites des algues, mais avec la diorite, cette fois-ci. Voilà. En plus, ça va plus vitaminer. Donc, hop, on va faire comme ça. Là, on va faire comme ça. On va récupérer le bloc. Merci. Voilà, vous faites des algues, pareil. Ce côté-là, il est un petit peu droit. Hop, on va juste faire une petite variante comme ça. Hop, un petit peu trop grand aussi, il est. Si on faisait comme ça. Non, ça va pas, hein, c'est moche. Hein. C'est très moche. Un petit peu trop. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc après, vous qui voyez aussi combien vous en faites, suivant l'espace que vous avez, tout simplement. Hop, celui-là, on va le faire comme ça. Enfin voilà, vous avez compris le principe, et c'est sur cela où on va y intégrer les petites lanternes. Voilà. Vous avez le pattern de tout. Après, à vous de voir comment vous voulez y arranger dans votre fond marin. Moi, je vais y faire de mon côté avec Coca en timelapse, bien évidemment. Et je vous dis à tout à l'heure. Tout le monde, on se retrouve. J'espère que le petit timelapse vous aura plu. Donc je suis avec Coca, enfin il n'est pas en vocal avec moi, je l'ai muté pour finir l'épisode ensemble tranquillement. Mais il est là, voilà. Et donc merci à toi, vu que tu regardes mes épisodes, je te remercie. Donc voilà ce que ça rend de nuit, on va survoler un petit peu. Ah, si j'ai pas mes élytras, ça va pas le faire. Hop, on va survoler un peu tout ça. Regardez.
Comme ça rend bien. Voilà. Tout éclairé en dessous. Il y a des zones d'ombre. Hein. On ne peut pas non plus tout éclairer à 100%. Mais ça rend bien. Donc voilà ce que ça donne en profondeur. Donc les petites algues transparentes, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, nous avons les petites algues fixes. Enfin, pas des algues, mais un peu comme des méduses, en fait, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ou des buissons transparents, comme vous le voulez. Donc là, ça représente les algues fixes. On va prendre un peu d'oxygène, merci. Ça, c'est des algues vertes classiques. Il faut imaginer, bien évidemment, on est dans Minecraft. Et ça, c'est des algues lumineuses. Voilà, où sur certains, il y a deux lampes, sur d'autres, il n'y en a que un. Il y en a des qui ont quatre, enfin, trois branches. Comme un peu celui-là, voilà, il y a trois branches ici. Celui-là, il en a deux. Celui-là, il en a trois. Enfin, voilà, ça varie un petit peu. Et puis un petit peu de buisson aussi de temps en temps par-ci par-là pour combler principalement les vides. Sinon ça aurait fait pas mal de zones assez vides. Là il manque d'ailleurs peut-être un petit peu d'éclairage, mais c'est pas bien important. Non, c'est pas bien important ici, ça va. Donc voilà ce que ça rend. Moi j'aime beaucoup. Donc après il faudra faire exactement pareil, enfin le même esprit de l'autre côté dans le monde aquatique. Et là par contre ça va demander plusieurs heures de travail. Parce que rien que pour la zone ici, ça nous a demandé à peu près... 3 quarts d'heure, 1 heure, le temps qu'on trouve nos repères. Et puis donc là, à mon avis, dans toute la zone là, ça me fait peur. Hein. Je pense que ça va nous prendre bien 3-4 heures facile, hein, clairement. Parce qu'on a vraiment une grande zone à éclairer. On a tout ici. On a ici. Même si on peut pas trop en faire, on va en faire ici. Et après, on a toute la zone ici. Surtout là, où ça va être compliqué. Enfin, ça va être énorme à faire. Donc ça va nous demander pas mal de temps, mais quand ce sera fini, ça va rendre très bien. Et on va se laisser avec une petite vision depuis l'intérieur, en sachant que je... D'accord, très bien. Non, mais pas de soucis, hein. Je me prends les murs, il n'y a pas de... comment je peux rentrer par contre? Eh ben, faut que je sorte et puis que je remonte en élytra. Hein. Ou alors... Non, il y a des torches, on va éviter de casser. Ouais, je vais ressortir. Donc, en sachant que je me suis pas, enfin, je dirais pas spoil, mais j'ai pas regardé depuis l'intérieur ce que ça rend. Donc, j'espère que ça va rendre bien quand même. Mais depuis l'extérieur et sous l'eau, ça rend très bien. Donc, hop, on va décoller d'ici. Ouh, j'ai failli passer par-dessus. Bim, on descend. On va voir ce que ça rend. Ouais, si, ça rend bien. Ça rend bien dans les petites vitres de deux, voilà, vous voyez. Même en dessous, on y voit à travers, en dessous là. Ça rend très bien. C'est pas non plus beaucoup éclairé, peut-être que je rajouterai un peu d'éclairage sur les bords plus tard. Voir. Mais pour le moment, je suis satisfait, donc on va laisser comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si éventuellement vous voulez que je rajoute un peu plus d'éclairage, voir si ça rendrait mieux ou pas. Je vais laisser comme ça dans un premier temps. Et on verra par la suite suivant vos retours. Donc on va se laisser là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve pour le prochain épisode où je pense que de l'autre côté ce sera fait. Ou alors on changera complètement de côté, de biome, pour attaquer peut-être un nouveau secteur. Pour éviter de tomber dans une... dans une redondance, on va dire, tout le temps rester dans le monde aquatique, pardon. J'ai bégayé. on va voir. Soit ce sera fait ici, soit on changera. Enfin, on verra bien. Sur ce, à la prochaine.